Ces apparitions se font de plus en plus rares, mais Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, celle qui a défendu et obtenu le droit à l'avortement, a tenu à être présente pour l'inauguration de l'UFR des sciences de la santé de Montigny, qui porte dorénavant son nom. Une UFR des sciences de la santé, autrement dit une université où l'on enseigne à la fois le médical et le paramédical, première particularité. La seconde, cette UFR est implantée dans la ville et non au sein d'un établissement hospitalier universitaire, comme cela se voit couramment, et ce n'est pas un hasard. On pense que ça permet pour partie de résoudre et de traiter les difficultés que l'on a à former des professions de santé. Et on pense peut-être faire soit des maisons de santé universitaires, soit des pôles de santé qui vont être des endroits de soins de premier recours et qui permettraient peut-être de désengorger un petit peu les urgences des hôpitaux et puis de prendre en charge de façon très universitaire, je dirais, des malades. Si tous les étudiants sont formés en centre-ville, si tous les étudiants passent l'ensemble de leur cursus universitaire à l'intérieur de l'hôpital, il y a peu de chances pour qu'ils aient envie d'aller s'installer à l'extérieur de l'hôpital et encore moins à l'extérieur des grandes villes. Donc c'est évidemment un enjeu tout à fait important, rapprocher la formation des lieux d'installation à venir. La lutte contre les déserts médicaux, la ministre présentera prochainement des mesures dans ce sens. Autre application de l'UFR des sciences de la santé qui a convaincu Marisol Touraine, la mutualisation des moyens entre différentes disciplines. Dans ce laboratoire, par exemple, les chercheurs traitent des pathologies liées à des traumatismes de la moelle osseuse, de la recherche fondamentale avec des buts appliqués au quotidien. Quand la personne a eu un accident de voiture ou a subi une atteinte au niveau du système nerveux central, ça a des conséquences sur sa sexualité et sa continence. Donc on travaille sur des modèles animaux de façon à comprendre et à pallier éventuellement dans l'avenir ces troubles particuliers. En trouvant des médicaments qui pourraient agir sur la relaxation de la vessie d'une part, ou en interrogeant plus précisément le système nerveux central de façon à faire des thérapies novatrices et en particulier des thérapies à base de transfert de gènes. L'UFR des sciences de la santé avait été pensé dès 2003. Il est situé à deux pas du centre commercial régional, accueille 1000 étudiants en première année et 5000 en totalité. Les amphis sont plus adaptés. C'est exclusivement des cours de médecine, je pense, contrairement à l'ancienne fac. Après, moi, je la trouve un peu moins chaleureuse. C'est plus austère. Elle est très sympa. Elle est plus proche de la gare, donc c'est plus rapide, donc c'est pratique. En tout, cette UFR compte 125 enseignants et 18 laboratoires mixtes.